Yannick Chevalier, directeur départemental sur le département de la Manche de la Banque Populaire de l'Ouest. Alors, l'association Eric Tabarly, pour laquelle on est mécène depuis 2003 maintenant, est une association qui a pour but de faire vivre ce patrimoine maritime que sont les Penduic. Au-delà d'avoir cette mission d'entretenir les bateaux, nous avons également cette mission de faire en sorte de partager au plus grand nombre cette flotte par l'intermédiaire d'événements tels que Brest 2016 ou encore la Route du Rhum, sur lesquels on fait venir les bateaux et comme ça tout le grand public peut également les admirer. Ce qui est agréable, c'est qu'avec les skippers, ils nous font partager leur façon de naviguer. Ils nous expliquent aussi comment Eric Tabarly faisait sur ses bateaux quand il était lui en transat, puisque ce sont des bateaux sur lesquels il faisait ses transats en solitaire. Alors juste un mot, parce que c'est une fierté quand même. Déjà, ça fait 28 ans qu'on est partenaire Banque Populaire de la Voile, mais tout a commencé à la Banque Populaire de l'Ouest. Donc c'est la Banque Populaire de l'Ouest qui a réussi à concomiter, à faire en sorte que toutes les autres banques populaires participent à cette très très belle aventure, avec une fierté qui est d'accompagner, notamment en ce moment, Armel Lecléache dans ses belles transats. On vous donne rendez-vous sur Cherbourg, sur Saint-Quay-Portrieux ou sur Roscoff pour profiter de cette belle flotte que sont les Penduic.